Et puis maintenant, on va s'occuper de bébé. Alors, un petit dos, un petit bébé. J'ai une dizaine de centimètres. Non, je pense pas. Si vous avez une dizaine... Alors, peut-être avec les petites jambes, mais on ne prend pas les petites jambes. Hein. Alors, on va aller essayer de voir quelque chose. Hein. Alors, le petit cœur, on va écouter le petit cœur ici. Petit bras, ici le coude, le haut du bras, l'épaule. Et puis de l'autre côté, on va faire la même chose, on va aller voir l'autre petit bras, le haut du bras, et une petite main, des petits doigts. Salut. Et puis le petit pouce de côté. Parfait. Alors, 5 doigts de chaque côté, 2 petits bras, c'est parfait, ça c'est tout juste. Ensuite, on va aller voir le petit ventre de bébé, ça c'est son estomac. Et puis on continue, on va aller voir l'entrée du corps de la petite ventre. Bébé s'est mis dans une position, hein, pas tout à fait facile. Poirier comme ça, c'est vraiment difficile. Hein. Alors, ici on a une petite cuisse, puis des petites jambes qui sont croisées l'une sur l'autre, des petites jambes croisées de chaque côté, des petites cuisses, voilà, la petite cuisse ici, et puis on va aller voir les deux petits pieds qui sont vraiment de chaque côté. Un petit pied ici, puis un petit pied ici. Alors c'est vraiment difficile à comprendre quelque chose, hein, parce qu'il a croisé les petites jambes en tailleur, là, comme ça. Hein. Bon. Bien. Très bien. Ensuite. Voilà. Ça, c'est la petite tête de bébé.
le bleu et le rouge. C'est la direction du flux sanguin. Comment? Allez, on se donne la routine. Elle demandait qu'est-ce que c'est. Le flux, le sang qui passe dans les vaisseaux sanguins. C'est tout bien. Vous pouvez tousser une fois. Oh, un peu plus fort. Voilà, ça c'est mieux. Alors, rigolez un coup. Vous comprenez? Ouais. Très bien, merci. C'est quoi le trait noir en bas? Ça. Le mur, c'est cette fameuse étincelle de nuque qu'on a mesurée. C'est tout fin, tout bien. C'est parfait. Kiné de bébé. Déjà, il y a un mois, il avait des trous de nez. Il avait des trous de nez. C'est mieux s'il a des trous de nez. Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'il respire à cet âge-là? Jamais dans le ventre de leur maman. C'est qui respire pour eux. Ils sont dans l'eau. C'est la maman qui respire pour eux. Mais ils peuvent faire des mouvements respiratoires. Mais c'est des mouvements. C'est pas une respiration comme vous l'entendez. Parce que tout est de l'eau, hein, autour d'eux. Le liquide amniotique, c'est de l'eau, hein. Ils sont comme des petits poissons. Dans l'eau. Ça va très bien. Parfait ce coupon. Il fait ça tout à fait bien. Un beau bébé.
voilà, maintenant il étend les petites jambes. Vous arrivez à voir les petites jambes maintenant avec les petits pieds. Hein? Oh, c'est plus facile hein, quand il a les jambes tendues maintenant. Très bien. Il change. Il bouge, hein. Ça bouge ses poupons. Regardez-moi ça. Voilà. Très bien. Il va bien votre bébé. Il a les oreilles. Oui, il a déjà des oreilles, mais là on ne les voit pas hein, sur la photo. Il a déjà tout hein, actuellement. Il est déjà tout formé. Bien, très joli bébé. On lui dit au revoir. Il va très bien, ce petit.